CPJ de Body Time. Aujourd'hui, une petite vidéo pour répondre à une question qu'on nous pose souvent. Faut-il forcément prendre du gras pour prendre du muscle? C'est-à-dire, devons-nous passer par une phase de prise de masse avec gras plus muscle pour ensuite sécher et laisser de garder que le muscle? Et pour nous, la réponse est principalement non. Vous pouvez tout à fait prendre du muscle sans prendre trop de gras, et c'est notamment vrai donc chez tous les débutants. Si vous démarrez une activité sportive, notamment donc la musculation, pour pouvoir prendre du volume, vous pouvez prendre de la masse maigre, du muscle, sans prendre de gras, de la masse grasse. Pourquoi? Parce que vous avez déjà en vous forcément un pourcentage de masse grasse. Vous allez chercher plutôt à consommer ces calories et à l'inverse à créer du muscle. Donc pour ça, il va falloir adapter son alimentation, mais c'est possible. Ensuite, chez une personne un peu plus entraînée, c'est plus compliqué. Il est vrai, si vous avez déjà pratiqué, c'est plus dur. Pourquoi? Parce qu'il va falloir avoir une alimentation optimale, c'est-à-dire ne pas trop manger pour ne pas faire du gras en plus du muscle et manger suffisamment pour ne pas tomber dans de la fonte musculaire. Donc c'est un peu plus compliqué, il est vrai que bien souvent on peut prendre un petit peu de gras avec la prise de muscle, ou à l'inverse, si on mange pas assez, on va pas optimiser sa prise de muscle. Mais à savoir que ça, c'est vraiment un film par rapport à ce qu'on voit. Par exemple, certaines fois les personnes prennent 10 kg sur 3 à 4 mois et ensuite elles cherchent à reperdre tout le gras qu'elles ont pris pour au final avoir une prise de muscle de 2 kg. Si elles s'étaient entraînées, qu'elles avaient mangé juste suffisamment, elles auraient largement pris ces 2 kg voire plus sans avoir cette prise de gras. A savoir que la prise de gras, une fois que vous avez développé vos triglycérides, donc les cellules qui retiennent le gras, elles sont entre guillemets immortelles, c'est-à-dire vous n'allez pas les faire disparaître, à part une liposuccion, mais sinon vous allez pouvoir les appauvrir, c'est-à-dire les réduire au minimum, elles seront quasi plus visibles, mais elles sont toujours là. C'est-à-dire qu'après vous êtes sujet à regrossir, elles ont envie de se redévelopper, donc dès que vous allez remanger une prise de masse, vous allez regrossir un petit peu plus, vous allez en développer d'autres, et là vous allez vraiment faire le yo-yo, avec des phases vraiment très gros, et des phases où vous allez devoir vraiment vous restreindre pour vous assécher, votre corps ne s'habituera pas, donc à chaque fois il va chercher encore plus à stocker, et ce sera vraiment compliqué pour vous au final de vous affiner. Et pour conclure, juste je voulais revenir sur le fait de pourquoi on parle de prise de masse et de sèche. C'est que bien souvent ça vient des personnes, des bodybuilders, qui eux font une prise de masse avec des produits stéroïdiens, des anabolisants, donc des produits dopants, et qui par la suite vont chercher à sécher, à s'affiner. Pourquoi? Parce que tous ces produits font qu'ils ont une grosse rétention d'eau. Donc par la suite, pour les concours, ils vont chercher à perdre cette eau, à s'affiner. Donc vous, le conseil qu'on vous donne, c'est ne faites pas la même chose. L'objectif, c'est pas de prendre beaucoup de poids pour ensuite chercher à garder que le muscle. Vous allez habituer votre corps à faire du gras, ce sera beaucoup plus dur pour vous par la suite pour maintenir votre poids de forme. Donc cherchez plutôt à gagner en masse maigre. Si vous sentez que vous prenez un petit peu de gras, cherchez à réguler, à diminuer un petit peu vos apports et à jouer donc sur les protéines lipides glucides. A l'inverse, si vous sentez que vous manquez un petit peu d'énergie, vous auriez besoin de plus pour assurer votre entraînement, mangez un petit peu plus et voilà, vous cherchez à trouver la balance, le bon ratio qui correspond à votre entraînement, votre rythme de vie et vos qualités, votre morphotype. Et voilà donc pour cette petite vidéo explicative. N'hésitez pas, si vous avez des remarques ou des questions, à les poser dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, sur le compte BodyTime. Vous savez donc que sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver tous nos entraînements, nos astuces, nos conseils, que ce soit pour les hommes, pour les femmes. On se dit donc à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche. 38. C'est horrible. Reste 12. Allez gros, 38.